Est-ce que je peux vous poser une question? Unification. Révolution. J'aspire à plus de démocratie et de liberté dans ce pays. Même chose. Moins de misère sociale. Que demande le peuple? Une petite phrase? Ouais. Bah, plus d'humanité. Que demande le peuple? Ça serait de changer les politiques qui sont actuellement menées. D'être joyeux, d'être heureux, d'être... Moi, un peu plus de respect de l'environnement et de l'humain. Est-ce que je peux vous poser une question? Vivre mieux. Oui, si vous voulez. De la paix. Qu'est-ce que je veux? Un peu plus de justice et certainement du respect. Du respect de nos politiques en premier. J'aime la vie tranquille. Moi, je suis né comme ça. Je ne suis pas difficile. On peut toujours m'appeler, je suis là. J'aime la vie tranquille, calme et sans effort. Je ne suis pas difficile. Ou bien je bois, ou je mange, ou je dors. Du travail, de l'argent, que tout le monde soit humain. La liberté. Voilà. Bon, voilà ce que c'est. Voilà. Non. De la fraternité, de la justice sociale, la paix et du travail pour tout. La liberté, le boulot, le pognon, le bonheur. Le bonheur. C'est la gauche, c'est plus un peu plus. Voilà. Ça demande tellement. Au moins l'égalité sociale. Merci. Le peuple, il demande la souveraineté. Et le pouvoir, carrément. La souveraineté sur tous les plans. Politique, économique, social, droits sociaux. Et ce n'est pas une question de revendication. Le droit des peuples à l'autodétermination, lui, c'est une loi obligatoire. Il y a la Déclaration des droits de l'homme et il y a ce qu'on oublie toujours, les pactes de 1966. Ce que la CGT a invoqué contre la loi El Khomri. Ça fait trois phrases, non? Bon. Je t'embrasse en tant que communiste libanais et français.